Hey, salut à toutes et à tous, et nous voici repartis ensemble pour une nouvelle vidéo sur Orc Must Die 2. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie du beau gosse, j'ai nommé Dexter. Salut Dexter. Salut à tous. Ça va? Ouais, très bien, toujours. Donc aujourd'hui, on est là enfin pour la suite qui nous avait été demandée. Et on espère qu'on va réussir à vous conquérir avec cette suite, hein. Bah oui, comme ah. On a... Comme on vous a conquis avec le premier, apparemment. Déjà, on va essayer d'un petit peu plus... je monte le son. On va essayer d'un petit peu plus jouer, parce que le dernier épisode, on a beaucoup blablaté. Mais là, on va profiter, on va défoncer, comme il se doit, les orques qui viendront nous embêter, voilà. Bah ouais, voilà, on va en profiter. De toute façon, si vous voulez plus d'infos, vous avez le premier épisode, donc... on va pas trop parler de technique, je pense. Ouais. Donc moi, j'ai mis prêt, c'est quand t'as envie pour toi. Ok, ben... C'est parti. Voilà, on lance l'aventure en moins d'une minute. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et comme ça... Ah, il y a de l'action aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est des barrières. Ah, ils sont obligés de passer à l'intérieur, c'est ça? Mais ils peuvent les casser. Bon, là, vu qu'ils ont un chemin, ils vont pas essayer de les casser. Mais il y a des endroits où ils seront bloqués, ils vont devoir les casser pour passer. D'accord. Ah, et c'est malin, ça. J'ai encore jamais vu. Donc, pour ceux qui voudraient savoir, je n'ai pas retouché entre-temps. Hein. Je me suis gardé, on va dire, la surprise des niveaux d'après pour, justement, une nouvelle vidéo. Ah, donc là, d'accord, ils peuvent pas passer sauf s'ils cassent. Ah, voilà. Ok, ils seront obligés de les casser à la fin. Il va y avoir des scouts, donc des petits qui courent, qui auront des bombes sur le dos, et il faudra absolument les tuer avant qu'ils touchent les barrières, parce qu'ils les one-shot, les barrières. Ok. Donc là, pour l'instant, on va dire, on place les pièges, quoi. Ouais, voilà. Prends pas de piège au plafond parce que j'avais déjà testé ce niveau et il y avait pratiquement pas de place pour mettre quoi que ce soit au plafond. De toute manière, moi je mets les... Pour ce... Enfin, ceux qui me regardent verront... Ah, on peut même mettre sous les barrières. Vive l'intérêt. Sous les barrières. Ouais, vas-y, essaye, tu verras. Quelle barrière tu parles? Ah bah les barrières qui empêchent les monstres de passer. Ah oui, mais tu parles sur les murs. Ouais. Enfin non... Ah non, mais de dessous là, carrément. Ouais, dessous carrément, ouais. Ah ouais, j'avais jamais essayé. Voilà. Donc je place un petit peu partout là les pièges à pic. Ouais. Voilà. De toute manière, le but c'est de remplir, je pense. Oui. Voilà. Et. De toute façon, ils vont passer un peu par les trois chemins. Moi je suis prêt, quand tu as envie. À droite, j'en ai mis un petit peu moins par contre. Ok. Manque un piège, bon je vais prendre lui, je vais peut-être pas m'en servir, mais. Dans le doute. Bah, je vais en mettre à droite moi aussi. Oui, voilà, comme ça. Là, c'est aussi au milieu. J'aimerais bien mettre un piège sur les murs. Parce que là, vu qu'il y a une sorte de petit chemin qu'ils vont devoir traverser, ça peut être pas mal. Ouais. Et l'avantage, c'est que là, j'ai mes pics qui ralentissent aussi les ennemis. Donc, au moins, ils y resteront un petit peu plus longtemps. Ouais. Histoire de se faire encore plus défoncer. Au début, les pièges, ils vont pas beaucoup nous aider. Parce qu'il y a vraiment trop d'endroits à s'occuper. Ouais, au début c'est beaucoup de nous qui allons faire le boulot, le sale taf comme on dit hein. Pour gagner de l'or pour que après on puisse vraiment blinder les trois chemins de piège. Ouais. Donc pour l'instant c'est bon, on en a pas laissé passer. Ouais. Et les pièges au plafond, voilà. C'est pareil, on peut les utiliser hein. Ceux qui sont mis de base. Ouais. Par contre ceux-là je crois qu'ils mettent vraiment du temps à recharger. Donc vraiment donc, les utiliser si nécessaire quand quoi. On est dans le pétrin. Ouais. De quoi si? Si on est mal. Il faut d'accord. S'en servir que si on est mal. Voilà. Pas de soucis, compris chef. Par contre, les... Je sais pas comment on appelle ça, l'or, enfin tout ce qu'on veut, c'est en commun pour nous deux? Non, c'est chacun à son stock d'or. Ah, chacun? Ouais. Ah, c'est-à-dire si c'est pas moi qui les tue, c'est toi qui récupères tout? C'est ça, ouais. Oh! Mais c'est pas possible que je tue tout de toute façon, donc... Et ça veut dire que si c'est tes pièges qui les tue, c'est toi qui gagne, et si c'est les miens, c'est... Ouais. Ok. Bon, je crois qu'on gagne tous les deux un peu quand même à chaque fois, mais... J'espère, hein. Sinon, moi, je vais être ruiné vu que t'es tellement bon. Mais je me suis bourré. Ah, ouf, c'est bon, j'ai pu vendre. J'ai pu vendre à temps. Ah, tu vois, bah, il faut les détruire vite. Soit que les bombes. Ah, bah, merde, mince. En plus, ils m'ont tué. Parce que eux, quand ils te touchent, ils te font très très mal aussi. On va dire que c'est vraiment... les plus dangereux, les petits, quoi. Ouais, avec les bombes sur le dos... Oula, t'as vu qu'ils ont déboîté toutes les barrières du milieu quasiment. Ouais justement je viens de voir. Et on peut pas en replacer. Si. Mais mince, non, généralement les petits, c'est les pas petits... rentable. Aïe, je suis mort.
Ah bah tu vois. Ah, Bah là on non. perd beaucoup de points juste avec la mort. Désolé, je suis nul. Oh bah je suis mort avant toi, donc je peux rien Ah, dire. t'es aussi mort? Oui, tu m'as pas vu mourir, c'était Non. sous tes yeux tout à l'heure. Non. Oh mince, y en a qui passent là. Ah, mais ça se complique vachement en peu de temps, hein. Ah oui, non. Moi c'est des archers, c'est pas. Voilà. Pas très Ouais, bon, grave. les archers, vu comme ils visent, c'est pas des vrais archers, hein, perso. Ils visent Y en a un YOLO un qui petit peu reste. n'importe comment. Voilà. Alors là, par contre, 4. Bon, je vais essayer d'en mettre quelques-uns. Moi, je bombarde de pièges, hein, donc. Ouais. Ah, tu peux placer des archers, toi aussi? Ouais. Ah, sympa. C'est l'heure du duel. Ouh là là, il y en a plein. Ouh là, oh Oh, la vache! je suis encore mort. Oh, les dégâts qu'ils font! Ah oui, non, mais les bombes là, c'est. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Par contre, on régénère un petit peu Je la sais pas vie. si. De quoi? Nos vies, elles se régénèrent toutes seules. Non, il faut récupérer des fioles de vie. Ah, oui, c'est vrai, il y en a Mais deux. ils en laissent assez régulièrement. D'accord. Ouh, là-bas, il y en a un paquet qui passe. Totot, les gars. Eh oh, vous pensez aller où, hein? Ah, d'accord. Et là, par contre, ils sont vraiment obligés de casser les barrières, donc oui. Bon, c'est bon. Je m'en sors assez bien. Tant qu'ils me touchent pas. En fait, j'ai l'impression, ouais, ils vont soit à gauche, soit à droite, mais pas au milieu. C'est incroyable. Bah, ils ont pas beaucoup, non. Et au milieu, il y a tellement de pièges posés par moi, c'est normal, Ah, bah quoi. là, voilà, on va pouvoir s'organiser un peu parce que. Alors, attends, à droite. Donc déjà, ça, je vais y vendre. Ouais, à droite, ça va. En fait, je pense que le mieux, mais on va perdre du temps, c'est de mettre les pièges le plus proche des barrières qui les bloquent totalement. Parce que là, ils vont être obligés de vraiment rester longtemps dans les pièges. Ah, Et d'accord. ça fait un vrai carnage. D'accord. Bon, Bon vu bah. comme on commence déjà à galérer, je pense que de Tu veux toute tout manière, vendre? pas tout, mais une bonne partie. Ok. Parce que de toute façon, on n'aura pas les 5 crânes, alors autant essayer de le finir Ouais, le mieux confortablement. possible. D'accord. Ouais. Ok, bah moi je vends, je vends. J'en ai déjà pour environ 5000 alors. Ouais, bah ouais. Donc je te laisse imaginer à quel point je pense qu'on est bien. Enfin, j'espère, hein. Là, à droite, ils vont avoir Ok. du mal à passer. Moi je vais m'occuper de l'autre côté à ce moment-là. Alors, là, là. Généralement, au milieu, ils passent pas, je crois. Bizarre. Les pièges au mur. Un là. Un là. Toi que tes Voilà. archers, j'adore. Ils sont puissants? Bah, ça va, D'accord, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore tout, malheureusement. ouais. Bon, je sais pas. Puis au pire, ceux qui essaieront le milieu, on les attrapera, nous. Oui. Bah, laisse. C'est bon? Ah, Non, j'aimerais quel encore en placer en trésor. fait. Là. On va dire essayer d'équilibrer pour Ouais, que puis de essayer base ils en de. prennent un petit peu plein la gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Pour qu'ils arrivent déjà un peu blessés. Voilà. Là. Là. En fait, j'hésite pour faire en sorte d'optimiser. Oh. En fait, ça me Ah ok, je dérange. savais pas, mais on peut tirer sur les wagonnets qui contiennent de la lave. Qui Et contiennent des. la renverse de la lave. D'accord. Tu apprends des choses. Ah, ça peut bien aider ça, parce qu'en plus il y en a souvent qui passent. Comme ça. Comme ça. Je mets un petit peu de vent, comme ça au moins ils les déclencheront assez vite. Ouais, bon, ils sont peut-être pas hyper optimales ici, mais bah, c'est pas grave. Ouais, bon. On s'en fout, Ouais. hein. Tant que ça fait un peu le taf, Mais c'est voilà vrai que de quoi. toute façon, ce niveau-là, il est vraiment très dur. Je pense que, en connaissant un peu les suivants aussi, j'avais rarement autant galéré. Ils passeront pas au milieu, tu dis? Bah, un peu, mais très peu, donc on arrivera à les avoir. D'accord, bon, je Ils se place ça focalisent là. surtout sur les côtés. Hein. Et c'est bon, j'ai. Y'a l'attaque! Ouf! Allez, sapeur. Eh mais nous on peut les attirer en plus. Non? Comment ça? Est-ce qu'on peut les faire en sorte qu'ils viennent plus au milieu? Si on se met au milieu, en soi ils vont essayer plus de nous taper, non? Ouais, mais c'est difficile d'avoir l'aggro de tout le monde en fait, vu qu'ils sont un peu éparpillés, il y en a plein qui ne verront pas. Enfin, Ouais. on peut essayer, hein, mais. Ah et là on a la vague 4 sur 8! Ah oui, non, mais. Bon, là on est déjà un peu mieux qu'au début, ça devrait mieux se passer.
On va dire. Au début, on est presque obligé de prendre cher. Bah ouais, et le problème, c'est que tu peux pas trop organiser vu que les vagues, t'as pas de temps en soi. Mm. On a bien fait dans les semi-eux, hein. Ouais. Boum! Oh là là, mon dieu, ils sont en train de prendre cher! Bon, veulent pas passer un peu sur les côtés parce que là, ça m'énerve. Allez, les gars! Bah non, moi je trouve ça bien parce que du coup, on les voit assez vite. Ah bah bon. Oh là là. Bon, ça va aller. Là j'aime bien, on a plus de mana hein. Pas vite hein. Ah bah ils sont tous passés au milieu quasiment donc... Bah parce qu'on était au milieu je dirais moi. Ouais. Moi je vais mettre quelques archers pour nous aider, ça. Là, comme ça. En plus au milieu vu qu'il n'y a plus du tout de barrière. Ah bah il regarde, il passe sur les côtés maintenant, ouais. Ah bah en fait on a même pas le temps de les arrêter tellement ils sont rapides. Ah oui non mais c'est pour ça, normalement il faut que ce soit les pièges qui les arrêtent quoi mais... Ouais, vu qu'on les a pas trop placés avant encore. Mais... Ouais. L'IA elle est assez intelligente pour essayer d'esquiver les pièges tu penses? Non je crois pas. Ouais non. Je crois que l'IA a même pas conscience qu'il y a des pièges en fait. En fait ils avancent pour avancer mais ils s'en foutent de ce qu'il y a quoi. Ça. Ok ouais. Bah c'est des orques en même temps, faut pas trop leur en demander. Ah bah je te comprends hein. Niveau intelligence, le QI... Par contre tes archers ils tirent vachement loin hein. Ouais. Et eux ils ont pas de temps de recharge vu que c'est, enfin, je crois pas. C'est juste on va dire le temps qu'ils tirent une flèche quoi mais c'est tout. Mm. Toi bim. Bim. Y'a plus de respect. Mourez. Admirez ça. Vlagamer il gère trop bien là, c'est wow 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 wow. C'est moi qui me fais peut-être défoncer tout simplement. Non, ouais, non, tu passes pas. Vous non plus. Boum. C'est marrant, ces golems qui se divisent en deux, tu les touches et boum. Ouais, les élémentaires de terre. Là, il va y en avoir des encore plus gros plus tard qui se divisent en deux golems comme ça, qui se divisent en deux petits. Ok, vaccinant. Ah, ça va faire vraiment sens. Beaucoup. Ah, bah ça va, les archers ils tiennent en plus. Mince. Ils sont assez vulnérables normalement. Ah ça peut. Voilà. Non. Vous passerez pas. Non, non, aïe. Bon tant que t'es pas mort, c'est censé prendre une seule de vie. Prends-la. Ah bah oui, c'est bon ouais. En fait. Je viens de voir. 3. Voilà, je viens de replacer des pièges. Boum. En fait c'est qui? C'est toi qui les empoisonne ou c'est moi que mes pièges de sol? Je sais plus. Ça doit être toi. Ouais, peut-être. Ça a une chance de les empoisonner, c'est je crois. C'est que je me rappelle plus des améliorations que j'avais mises, donc... Allez, là... Ouah, la vache, là, par contre, il y en a une sacrée quantité qui arrive, hein. Mmh. Ouais, mais au milieu, ils passent pas, déjà. Ouais, mais parce que, justement, faut pas y rester au milieu. Mmh. Oh, il y a un crâne. Ouais, j'ai ramassé un crâne bonus. T'en as eu aussi un, non? Non. Oh, c'est triste. Bon, ouais, fou, moi, je l'ai eu. Ah, je suis galant, hein. Oh! Ah oui, c'est mes pièges ouais, qui font ça. Qui les empoisonnent. Ok, bon bah c'est bien. T'as vu, ils empoisonnent, ils ralentissent, mais easy hein. Voilà. Bon, ah, et là on va avoir la dernière horde. Non, avant-dernière. Avant-dernière? Ah oui, 7 oui. sur 8. Ouais. Bon, je vais mettre un petit nain, on va voir. Je pensais pas que je m'en servirais. Mais... Je suis tellement mal. Un jour. Voilà. Ça c'est qu'ils tirent un peu n'importe comment les nains en fait. Ils font quoi les nains? Ils lancent des grenades mais elles partent un peu dans tous les sens. Ça aussi j'en ai mais je les ai pas mis dans mon équipement alors bon. Ouais moi c'est que je savais vraiment pas quoi mettre d'autre alors j'ai mis ça. Par contre ça faudrait que j'y vende, c'est pas très efficace vu comme c'était placé. Non, pas là. Comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et je pense que ça devrait après être bon. Voilà, ouais. Il me reste 361 histoire de poser un petit dernier piège pour la route. Voilà, c'est bon, moi je suis prêt. Oup, 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 c'est parti. En fait, ils se tuent en un coup quoi, faut juste les toucher. Ouais, ouais, c'est bon, mais ils vont vite. Ouais, bon, on est d'accord, ils vont vite. Ouh, ils passent au milieu là. Allez les gars, et c'est là qu'il faut venir, hein. C'est pas de l'autre côté. Hein. Ah, mais regarde, voilà, on les a déboîtés là. Ouais mais c'est parce qu'on est des warriors, c'est pour ça. C'est ça. Je pensais qu'on galérerait plus que ça. Mais...
C'est parce que t'es avec moi. C'est ça que t'as pas encore compris. Ah, mais oui, voilà. Toute la magie. Tout devient clair. Non, mais tu pensais jouer avec qui, là? Non, mais allô, quoi. Y a du respect ou y a plus de respect, hein? Ok, je te respecte. Voilà, merci. Ouh, alors là, par contre, c'est violent, hein. Ah bah là, on est plus chez mémé, là. Faut pas pousser mémé dans les sorties. Moi, j'aime bien, je suis au milieu des orques, je me balade tranquille, pépère, allez, hop, hop, hop. On fait gaffe, pas qu'il te tape trop dessus, non plus. Bon, tu vois ma vie, hein. Ouais. Par contre, là, ils passent tous à gauche. Ah, mais ça peut aller vite, hein. Ah oui, je sais. Mais l'avantage, c'est que vu la vitesse où ils tapent, en fait, à peine je bouge, voilà, ils peuvent déjà plus me toucher, donc. Ok. C'est marrant, il n'y a pas eu de chasseur pour l'instant. J'ai placé un piège en plein dans l'action. Beau gosse. En fait, il y avait juste un petit endroit où il pouvait passer. C'est vrai que c'était vachement intéressant de le placer là, le piège. Non, pas un trampoline. Mettre un trampoline. C'est super utile. Donc lui, je le veux. Je voulais ici. Allez, dernière vague. Voilà. Que le. Je sais même plus quoi mettre en fait comme piège. En fait, je les mets à la file, quoi. Ouais, bah ouais. Voilà, ici. C'est vrai qu'à gauche, c'est pas hyper protégé. Mais... À gauche? Ouais. Ah, ouais. Bah moi, en fait, c'est vrai que j'ai vachement investi sur la droite. Je pense que les viewers remarqueront qu'ils arrivent même pas à passer. Limite, ils auraient pas besoin... les pièges auraient même pas besoin de mon aide, donc... Ah non, mais... Oula milieu... Ouh, pop, pop. Milieu et droite, c'est bon, ils passent plus. Quoi. Après... Oula, il y a les rats. Il y a un archer qui est mort. Il y a des rats qui passent. Vous ne passerez pas. Ouh, des golems. T'as vu, le nain, il balance des grenades n'importe où. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai pas trop regardé, je t'avoue. Il en a tiré derrière lui. Ah, mais il était où, la galanterie, hein? Ah bah... Je te respecte ou je te respecte pas? Là, y a plus de respect, désolé. Mais c'est vrai que ces niveaux deviennent... Enfin, là, maintenant, je trouve ça que ça devient vraiment intéressant, quoi. La difficulté... Enfin, et au bout d'un moment, voilà, faut que ce soit... Faut commencer doucement. Mais après, ouais. Faut un petit peu que ça devienne... Voilà, plus mais là c'est... encore, c'est pas la difficulté qui nous impose de reconstruire un grimoire à chaque niveau. Quoi. Tu avais... Quand on va avancer, ce sera vraiment comme ça, où il faudra d'abord s'être croûté une fois sur le niveau. Ah ouais, pour dire, voir comment okay, ça fonctionne. Il faut vraiment tel ou tel piège, ça devient vraiment stratégique. Et tu vides ton grimoire de toutes les améliorations et tu réaméliores à fond que les pièges dont tu auras besoin. Quoi. Oh, la petite danse des claquettes à la fin. Et enfin, voilà. On aura plus bavé au début qu'à la fin. Oh, et mauvais, 2 sur 5. En même temps, on est mort 3 fois ou 4 fois. Enfin, 3 fois, je crois. Récompense barricade. Et donc là, on a les barricades qu'on pourra poser et on après. On a eu que 2 crânes, donc je sais même pas si je peux améliorer quoi que ce soit en fait. Voilà, moi, je suis prêt, je me suis mis prêt. Ok, bon, on va avancer là. De toute manière, on peut améliorer rien... directement dans le niveau ou faut être à l'extérieur du niveau? Non, faut être en dehors du niveau. Oh. Pour améliorer dans le grimoire. D'ailleurs, c'est pas que les petits 4 crânes que j'ai eu que niveau amélioration ça va non, aller. Non, ça change rien en plus. Alors. Ok. Comment est faite la configuration? Ah, on a déjà des archers qui sont mis en place? Ouais. Eh, mais en fait, à chaque fois, les trucs qu'on découvre, c'est ce qu'on va gagner quoi. Ça arrive, ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est pour se téléporter. C'est un portail. Ah, pour aller plus pour vite. Pour aller plus vite de devant à derrière. En fait. D'accord. Et donc là, en fait, ils peuvent passer partout. Ouais, mais ça va, bah, c'est assez proche les uns des autres. T'as le milieu, ils y montent pas trop, mais souvent c'est sur les côtés. Bah, et si on met des barricades en soi, ils passeront jamais au milieu. Normalement pas. Mais il me semble qu'il y aura des sapeurs, donc ils risquent de les faire péter. Si, ma vie, elle se régénère automatiquement. J'avais la babiole de soin. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Voilà. Et je veux changer. Voilà, bon, pour ceux qui veulent voir, le garde nain, c'est ça, projet des bombes sur les ennemis. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ah, et je vois aussi toi ce que tu mets dans tes pièges, d'accord. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Piège mural, il pulvérise des toiles sur les ennemis, le feu brûlera l'étoile. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai qu'au final, le goudron, je m'en sers pas tant que ça. Hein. Bah. Ouais. T'aurais peut-être dû... Bah, l'avantage, c'est que mon piège à pieux, il ralentit aussi les ennemis, quoi, donc... Bon, après, peut-être pas autant, hein, ça, je dis pas, mais... Voilà, comme ça, peut-être bah, que là, je testerai. Avec mon tisseur de toile, ça va bien les ralentir. J'aurais dû prendre ça aussi, la fois d'avant, j'ai oublié. Ouais. Je crois que c'est à peu près bon. Bon, là, ça devrait aller. Il y aura des volants aussi, cette fois. Des volants? Et comment faire pour les avoir, eux? Bah, faut tirer dedans. Oh, c'est gentil. Il me semble ça. Que. Je sais plus s'il y a des pièges qui peuvent les atteindre. En tout cas, dans le 1, il y en avait.
D'accord. Mais bon. Bon, déjà, on va placer des pièges classiques, quoi. Hein. Ouais. Donc, un ici, un ici, un ici. La base de la base. Voilà. Donc là, au moins, j'ai fait le côté droit. Tiens, bah, je m'occupe du gauche, je pense qu'il y a. Voilà, on fait un truc à peu près symétrique dans l'idée, quoi. Et Ouais, milieu, moi faut... c'est pas du tout symétrique à toi, mais. Ouais, bon, on n'a pas fait la même chose, mais... Et une simple barricade, en fait, ça suffirait, là, à les arrêter. Je sais pas. Bah, si j'étais toi, j'y aspirais pas de l'argent dans les barricades en fait. Et tu pourras sûrement mettre des pièges plus rentables. Ouais, je sais pas. Genre, juste pour tester, pour qu'aussi puisse voir. Oui, bah, si On tu verra veux. bien. De toute manière, si on meurt, c'est pas grave. Hein. Bon, faut que peut-être je lance la partie, sinon ça va pas le faire. Hein. Ouais. Alors, mes petits amis, venez dire bonjour à papa. Bonjour, papa. Ah ben, t'as eu beaucoup d'enfants. Je suis très productif, mon enfant, tu ne peux pas comprendre. C'est ça. Allez, les gars, on fait du boulot. Boum! En fait, ces chiens, les explosifs, explosent pas tout de suite. En fait, ça explose que si tu les touches du premier coup. Ah oui, d'accord, ouais. C'est de la Et si ça triche! tombe juste par terre, ça explose plus tard. Oui. Oh, violence! Vas-y, c'est moi qui les tuerai tous! Tu n'en auras aucun! C'est ça le travail d'équipe! Ouais. Moi, si tu veux, je te laisse faire, Hein? hein. Ouais, après tu pourras placer aucun piège, alors bon. Ah, C'est génial, j'adore ce concept! c'est bien mon tisseur de toile. À part ça, il fait un bruit caractéristique. Et du coup, j'ai entendu qu'il s'était activé et ça m'a averti Oh. qu'il y avait un ennemi derrière. Moi j'aime bien, il y a un ennemi qui a essayé de me prendre par derrière, genre il croyait que je l'avais pas vu, et ben non. Et non, on est à la troisième personne, donc on voit bien rien. Ouais, et ça c'est pratique, hein. Ouais, c'est vrai. 500 de bonus. Donc, tu m'en veux pas, je veux juste tester une barricade là. Mais fais-toi plaisir. Oh merci. Je sais pas ce que j'aurais fait si tu m'avais refusé ce petit plaisir personnel. Je crois Alors. qu'ils montent jamais mieux. En fait, ils montent mieux que si on met des archers ou des nains et. Par contre, c'est vrai qu'en Enfin. échange, est-ce que les archers les atteignent Ah, mais il y a depuis les ce stade? volants là. Je me disais aussi pourquoi je vois des points rouges et que. Ah bah les ennemis volants que tu me parlais! Ouais. Et je me dis, mais ils sont où? Oh, je suis empoisonné! Fais gaffe parce que ouais, ils font assez mal. Bah Ils je vont vois ta essayer de. vie, hein! Ouais. Ils vont essayer de tuer nos archers en priorité d'ailleurs. Ah, ils peuvent les tuer! Ouais. D'accord. Oh, c'est tellement bien! J'adore! Moi j'aime pas quand ils tuent les archers, mais sinon Sinon ça va, je les aime ça. bien. Mais sinon en général non, je les aime pas. Voilà, je crois Mais là que je ça les va, ai à on peu les a près bien tous fait tués, tenir. non? Ou il Mais y en a là encore? vu que c'était les. Ouais, je crois qu'on les a tous tués. Mais vu que c'était les premiers de la vague, là ils étaient vraiment faciles à voir, mais il faudra vraiment être attentif plus tard parce que quand ils arrivent en milieu de vague, on se rend pas compte et on les oublie et ils passent tout droit. Ouais. Allez, on s'en occupe là. Gauche, droite, gauche, droite. Je retourne à droite. Oh. Efficacité au maximum. Allez, mes cocos. Vous allez mourir, un par un s'il le faut, mais vous allez tous mourir. C'est vrai que ce jeu. Après cette vidéo, croyez-moi, là, je sens que je vais jouer un bon moment. Faudra absolument que je le finisse, ça c'est sûr. Alors, ça, c'est le genre de jeu. Faut pas me le laisser entre les mains, malheureusement. C'est pas une bonne idée. Alors, je vais vous refaire un piège mural. Là. Et. Ah, j'ai plus de sous-sous. Oh mince. Ouais, c'est pas grave, on s'en sort bien pour l'instant. J'ai. Ouais, j'ai 239, ça c'est génial. 280. Oh, t'es plus riche que moi. T'es Ah, peut-être radin. qu'entre-temps. Donne-moi tout. Là par contre, t'as vu, le trajet des wagons, on peut pas le changer. Non. En même temps, ça sert pas à grand-chose. Bon, d'un côté, ils sont déjà bien placés, donc. Ouais, Oh la vache! Popopo! J'adore le. Tu prends de la Ah, il y a les grenade et volants. bif! Les volants. Ah, il y en a un volant? Ah oui, j'avoue. En fait, c'est génial parce que pendant que tu regardes en haut, ils passent tous à côté. Ouais, bah oui, c'est le problème de ceux qui volent, c'est qu'ils te distraient. J'arrive, t'aider! Oh. J'aime bien, je tourne plein. Oh ouais, en fait, tu restes sur les rails. Comme ça, après, ils essayent de venir te voir et boum!
Et ils Ah ouais, repoussent. ça Oh, un peut crâne, marcher. un crâne, un crâne. Par contre, c'est vrai que le problème des ennemis volants, en fait, c'est qu'ils te ralentissent vachement. Ah, il y en a d'autres là, les ennemis volants. Ouais, justement, je viens de voir. J'aurais balancé des grenades à la gueule. Boum! Aux ennemis volants? Ouais, bah si tu les touches, ça marche, hein. Ouais, c'est bon. L'avantage, c'est que vu qu'ils sont groupés, bah ça en touche plusieurs d'un coup, quoi. Voilà. Putain, il y a les petites merdes là qui sont chiants. Eux, ils me résistent. Allez, deux. Voilà. Mais si en fait on est les deux à gagner, hein. Oui, on a gagné à la fin de la vague et en même temps là. Mais sinon. Bah quand t'as tué l'ennemi, j'ai aussi gagné ce que t'as mis. Ah bon? Ouais. Okay. Mais peut-être c'était moins. On peut pas comparer, je me rappelle plus, mais. Ouais, Enfin bon. bref. En tout cas, à la fin, on n'a pas le même argent, donc c'est bien qu'il y a une différence. Bah oui, parce que d'un côté tu payes pas les mêmes pièges, alors. Ouais, y a peut-être aussi de ça. Oh, logique quand tu nous tiens. Ouais, Donc là, je vais par mettre exemple, là. moi j'ai 17 pièces d'or. Est-ce que ton. Ça finit 324. par. Ouais, toi, ça peut pas finir par un 4 si. Vu que tous les pièges sont en centaines. Enfin bref, c'est pas important. Qui va avoir raison? C'est ça la question. Bon, j'ai. Voilà. Rappelle-moi parfois de faire G parce que je remarque pas. Ah, ok. Je crois que tu fais quelque chose, alors c'est pour ça que je te laisse finir. Ah oui, non, non. Je te préviens parce que je suis très bavard et si on me laisse parler, on n'avancera pas donc. Parfois faut me dire stop le gamer. On sait que t'as Stop. envie de parler mais faut jouer quand même. Allez mes cocos. Adieu. Adieu. C'est dommage qu'on peut pas faire. Ce serait bien, tu vois, on pourrait de ralentir les ennemis qui passent sur les rails. Je sais pas si on pourrait faire ça. Bon, en même temps, même les wagonnets, c'est pas non plus hyper violent quoi. Ça, il me semble qu'il leur faut deux coups de wagonnets avant de mourir pour la plupart. Il y a ceux qui volent. Je suis en train de me rendre compte parce que je me fais empoisonner. Ouais. Et les ennemis volants? Ouais. D'accord. Punaise, là il y en a un paquet qui sont face à moi, mais pas d'ennemis volants, d'ennemis tout court. Et en plus t'as les ennemis volants qui se rajoutent, alors là ça va pas le faire. Mais si. À Et l'aide! Aidez-moi mon Dexter! voilà. Heureusement que je suis là. Ah bah ça c'est clair hein. Voilà. Et bim! Bah, j'ai plus des masses de vie. S'il y a une flèche de vie, tu me la laisses, s'il te Il y plaît. en Ouais. a une de De toute mon façon, il y en côté. a deux, là aussi. T'en avais une de mon côté au cas où. Ouh Hein. là là, attends, j'ai. Cours, 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 cours. Oula! C'est bon. Je vais repasser de mon côté parce qu'après ils vont passer. Voilà. Ça va de mon côté, ça tient bien les défenses, hein. Je te dis, mes piques, je les adore. C'est un amour de pique, comme on dit. C'est pour la vie. Ah oh, bah tiens, il y avait une fiole, merde, je te l'ai pris. Non, c'est Devant bon, ta vie. mais j'ai toute ma vie, moi. D'accord. J'en ai déjà ramassé une. Je remets là des pièges. Et j'ai encore un peu d'argent, donc on va continuer. Oh là ouais, je viens tous vers toi. Ah. Je vais donner un petit coup de main de par derrière. Voilà. Ah maintenant ils viennent vers moi. Ils se sont dit, il est trop fort pour nous, on va aller voir les C'est gamers. Et ils vont se rendre compte qu'au final, ils ont aucune chance et. ça. Il n'y a plus aucun chemin. Ouais. Enfin, il y Tom! aurait le milieu, mais ils essayent pas vraiment. Ah si, mais de toute façon, ils contournent ta barricade en fait. C'est Sérieux? encore pire. Ouais. Oui, parce que. Useless! Vous Ah, il y a l'avez des payé volants. 900 pour vous la faire entuber. T'as Ah les non, je ennemis t'ai dit, volants ça par contre. servait à rien des fois. Oh, je suis mort! Mince, les machins, les. Les rats, tu sais, qui te. Ah, les sapeurs. Oh. Ah, ils m'ont eu Pourtant, on bêtement le était bon pire. là, on aurait pu avoir les 5 crânes, je sais. Désolé, j'ai pas vu, je me suis trop avancé et je les ai pas Non, mais je t'en veux remarqués. là, je t'en veux, c'est trop tard. Tu m'en veux? Ouais. Tu me quittes? Ouais. Non. Ah, ma barricade a explosé en plus. Moi qui voulais la Bah revendre pour avoir les 900. ouais. Ouais, je comprends ce que tu voulais dire quand c'est pas très. Bah en fait, ça marche bien à certains endroits de certains niveaux où tu veux vraiment les empêcher de passer. Mais Ouais. sinon. Ouh là là, je vais presque mourir aussi, mais c'est bon. Si j'ai de la Y a vie, je pas te une le fiole de dis. vie quelque part? Ouais. Il y en a. Si, il y en a une de mon côté. Il y en a une de mon côté. Ok, j'arrive. Elle est à Attends. gauche. Et il y a Ouais, même deux je vais fioles de passer vie. par en haut. Hop. Ouais.
Voilà, comme ça. T'as combien quand tu l'as tué, lui? J'ai eu 10. Ah, j'ai aussi eu 10, donc. Ok. Et peut-être c'est en fonction après de la distance où on est, si on est à côté qu'on les tue, ouais. Et puis... Ouais. Bon, l'essentiel, c'est qu'on gagne de l'or. Voilà. Je passe des pièges un petit peu nawak, mais c'est pas grave. On m'en voudra pas, hein. En fait, si, là, moi, je sais pas ce que déjà, je suis en train donc... de faire, mais... Je la fais vraiment en mode YOLO, hein, c'est... Ah mais celui-là il est pas très dur, il faut... c'est surtout les volants qui sont durs, mais ah bah là d'ailleurs ils arrivent. On les voit arriver. Quand on parle du loup. Quand on parle des volants, pas des ouais, loups. S'il vous plaît monsieur. Des loups volants, c'est pas... Voilà, c'est ça. Ah bah j'ai une fiole de vie que je vais m'empresser de prendre. Oh. Voilà, 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 voilà. Mince. Ok, j'ai placé un piège où absolument où je voulais pas, mais c'est pas grave. Le pire, c'est que j'arrive à les activer en le poussant dedans, c'est cool, hein. Ah, c'est bien. Les sapeurs arrivent. Ah, ils ouais, me préviennent même quand il y a les volants, aussi, c'est cool, ça. Ouais. What the gars... Mais t'es resté dans les sapeurs. Ah, mais c'est pas les machins volants, les sapeurs? Non, les sapeurs, c'est, oh, c'est ceux qui ont des bombes sur le dos et c'est les tireurs. Je me sens pas du tout bête. Bah, tu voilà, sauras pour la prochaine fois. Oui, justement. Mais en fait, quand le problème, c'est dis... que je regardais dans les airs pour tuer les volants. Ouais, mais oui, mais quand ils annoncent sa peur, il faut vraiment essayer de reculer, quoi. Ouais, je viens de comprendre, si tu vois ce que je veux dire. Je viens d'en faire les frais, en fait, c'est surtout ça. C'est ça. Donc, je place les pics. Je vais mieux les placer que ça. Un là, un là. Un là. Voilà, comme ça, tout se passera pour le mieux, mon oui. Cher. Bon, à part tes deux morts, c'est quasiment parfait. Hein. Ouais, malheureusement. J'ai été doué. Si jamais j'ai une fiole de vie de mon côté, donc si tu te sens mal, tu pourras venir la chercher. D'accord. Voilà, c'est bon pour moi. On peut y aller. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, ça va, ouais. Franchement, là, maintenant, organisation maximale. Ouais. En fait, en mettre devant, c'est pas si bête que ça parce que c'est vraiment les ouais, pièges ça les qui se font le plus un vite. Bon coup, ouais. Comme ça, ils arrivent déjà blessés sur les autres pièges et ils sont obligés de mourir. Voilà. Et vu qu'en plus, ils vont un petit peu n'importe comment. Encore si l'intelligence essaie d'éviter les pièges, bon là, peut-être que non. Mais vu qu'ils vont n'importe si comment. Jamais. Et en plus, quand tu fais le, t'sais, la bombe grenade, ça les met un petit peu n'importe comment. Bon ben. Ouais, c'est ça. Il y a les volants, hein, c'est gaffe. Les volants, ok. Tant que c'est pas des sapeurs. Ouais, c'est ça. Ouais, ils vont bientôt arriver, ouais. je le sens bien. C'est pas drôle sinon. Je vois pas les volants pour l'instant. Mais ils sont... Ok. Ah là, ils arrivent. Bah, c'est mes pièges qui ont dû les tuer, alors je sais pas. Okay. Parce que j'ai essayé de mettre des pièges au plafond au milieu, je sais pas s'ils arrivent à toucher les volants en fait. Ouh là là, il y a les sapeurs. Je recule. J'ai compris la leçon. Ouais, de toute façon, tes pièges ont les one-shot, donc ça sert à rien d'aller dedans. Ouais. Ah, oui. Oui, c'est surtout ça. Ouais, bah ouais. Je me suis fait toucher. Et ils peuvent pas détruire les pièges, hein. Ils détruisent que les barricades, les sapeurs. Donc, Ouais, d'accord. 845, j'ai... De toute manière, la prochaine vague, on aura le temps de se préparer, je suppose, vu que c'est la vague finale. Ça, je sais pas. Ah bon? Toutes les vagues finales, on peut pas se préparer? Bah, ça dépend lesquelles, mais généralement non, parce que... Bah sinon c'est assez facile quoi, parce que pour une seule vague tu peux te préparer. Ah d'accord. Ah je pensais que jusqu'à maintenant on avait toujours eu le choix. Il me semble pas. D'accord. J'ai aussi... Bon non mais là on en aura pas besoin hein, de toute façon. Ouais non non je pense. Si besoin il y a une fiole de vie de mon côté. Ok, bah moi aussi donc je pense qu'on est bien niveau vie, sauf erreur. sauf erreur grossière et il y a des volants là. Ouais. Sapeur, pochour. Ah mais ils te ralentissent les volants d'une ouais. Force. Bah ouais, ils te mettent un poison qui te ralentisse, ouais. Ouais. Allez les cocos. Adieu mon petit orc. Sache que j'étais dans mon cœur depuis ah, longtemps. Ah je pense aussi que les gains d'or sont différents parce que tu sais, on peut faire des combos et des... Et des séries de kills et du coup on n'a pas les mêmes gains avec ça.
Et peut-être que chaque ennemi fait gagner la même chose à l'autre, mais que les différences viennent des séries de kills. Ah, peut-être, ouais. Ah, là, j'ai plein de fioles de vie, de mana. J'ai une fiole de mana si tu veux aussi, hein, si ça peut Oh bah t'intéresser. ça va. Ah, je vais la prendre quand même. Ça va aller plus vite. Voilà. Et après, c'est la dernière vague. Toi, tu penses aller où, mon coco? Et voilà. Ah ouais, y a pas de temps, ouais. Je confirme. Bon, on n'en a pas besoin de toute façon. Je place On est trop des fort pour pièges, avoir besoin de temps. pièges, pièges, pièges. J'ai plus d'argent, mais j'ai placé mes pièges. Bon, Oh, d'ailleurs, plus y a de de toute pièges, façon, plus ça t'as vide. plus besoin d'argent après. Bah oui, justement. Il me reste 133, donc ça allait, hein. Oui. Ah, il y a les ennemis volants qui arrivent. Ouais, merci d'avoir prévenu. De rien, ça me fait plaisir. Oh, j'en ai tué un. Oh, Le encore but, un. c'est de tous les tuer. Attraper. Non, tuez-les tous. Les Orc must die volants. 2. Massacrer tous. Ah oui, ça va mieux, massacrer les Ouais, ça tous. va mieux. Ah oui, ouais, oh, t'as trouvé notre futur chant. Le futur jingle. J'imagine. Oh, ils essaient de me suivre. Eh ben non. Boum, combo. Ah oui, et quand on a des combos, ouais, je vois, on peut gagner 13. Ouais, mais ça, voilà, ça dépend de nous après. Ouais. Série sanglante. Oh, il y a des. Ah, ils arrivent tous Ouais. sur toi. Recule un peu quand même, parce que si les volants ils te ralentissent, tu risques de te faire choper par la masse. Ouais, justement, c'est ce que je me disais. Voilà. Combo x5. Ah oui, pour chaque combo, en fait, tu rajoutes 1. Voilà. Ah, il y en a Mais les encore! archers, on... Ah, y en a de mon côté. Bon, ils sont À pas part ça, je très. pense que si t'étais pas mort, on aurait eu les 5 crânes. Parce que là, on a vraiment bien joué. Oui, bon, merci, hein. Rejette ta faute sur moi. Allez, vas-y. Bah oui, c'est ta faute. Ça se trouve, je vais mourir 3 fois dans cette vague. Ce serait marrant. Oui. Au moins, tu pourrais pas dire que c'est que de ma faute. Pour l'équité. Wow, les élémentaires de terre. Alors là, Ah, ils nous Bah, au font la fête, début, ils hein. font peur, mais après, c'est plus tellement. Ils sont pas si durs à tuer. Ok. T'es derrière moi? Bah, Oh. je sais pas, tu te rends compte, on en a déjà tué un sacré paquet et. Et Oh, voilà. petite danse, petite danse, petite GG. danse! Parfaitement synchronisé. Voilà. Ravin secret. Oh mince! Et voilà. Et voilà. Allez! Parce Conner, que le piège au pire, c'est plafond. qu'on a fait 15 secondes plus tôt que ce qu'on devait faire. Donc, c'est bien. Mais voilà. Désolé. Ouais, Et t'as vu le cogneur là, le piège, je pense, ça tue ces ennemis là, au plafond. Là, tu sais, les volants. non, moi j'ai mis les. Comment ça s'appelle? J'ai mis les trucs, les cracheurs de flèches. Ok. Mais Bon, je sais pas s'ils ont vraiment servi. par contre, je sais pas si tu le sais, mais on est déjà à 38 minutes. Ah ouais? Ouais, ça fait mal, hein. On a fait que 2 niveaux pourtant. Ouais, mais Et bon, on a plus fini. t'avances. Ouais, c'est ça, puis ils sont longs. Voilà. Plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit par chez nous, Hein. hein. Voilà, tout Ouais, simplement. c'est ça. En tout cas, j'espère que vous aurez été content de retrouver notre ami Dexter, hein, sur ce jeu. Waouh. Ah oui. Allez, Bah moi ensemble. j'étais content en Waouh. tout cas de l'entrée. Waouh. Waouh. Ouais, Alors, il voulait te revoir parce que t'avais la science infuse comparée à moi. Moi, je sais rien, voilà. oui, bah en même temps, c'est moi qui t'ai présenté le jeu, donc c'est normal. Ouais, voilà. En tout cas, moi, je me suis super bien amusé et je vais me faire une joie maintenant de le continuer. Ah bah Oh. oui, bon, on va le continuer ensemble. Ouais. Puis peut-être de nouveau en vidéo, si je... Non. Non? Je sais pas. Après, c'est vrai que On si je refais verra. une vidéo, là, je me priverai plus d'y jouer, hein. Là, je vous mens pas. Après, si je le finis, je vais faire une preview. Ouais, ou non, une review. Ou preview, ça s'appelle comment? Review, je crois, non? Ouais, review. Voilà. Enfin, je verrai à ce moment-là. Mais en tout Ok. cas, je pense qu'on va se laisser là, ça te va? Ouais, bah ouais. Voilà. Ça me va. Donc moi, je vais dire mon petit mot de fin. Après, je te laisserai aussi dire ton petit mot de fin. En tout cas, je suis toujours Merci. aussi comblé par ce jeu. Je suis même encore plus persuadé que ce jeu va me plaire après y avoir joué deux fois. Es un homme comblé. Oh oui, j'en ai marre de me retenir. Laissez-moi y jouer. Laissez-moi ma dose. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouvera de toute manière prochainement pour de nouvelles vidéos sur de nouveaux Let's Discover, nouveaux Let's Play, tout ce que vous voulez. Donc moi, je vous dis à la prochaine, les amis, avec le dernier mot qui viendra après, bien sûr, de Dexter. Donc sur ce, ciao à toutes et à tous! Oh ben, bah,
Merci Blagamer, et puis ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter le jeu. J'espère qu'on se reverra bientôt, et d'ici là, poutrez bien les orques.